Notre planète, la Terre, le monde, peut être représenté sur ce qu'on appelle des cartes. Une carte est une écriture du monde sur le papier. Toutes les cartes ne représentent pas la même chose et surtout, elles ne sont pas à la même échelle. L'échelle qui est présente sur la carte permet de savoir combien de kilomètres représentent les centimètres que vous allez mesurer. Sur les cartes, le monde est représenté en différentes échelles. Voici ces échelles. L'échelle mondiale, l'échelle continentale, l'échelle nationale, l'échelle régionale, l'échelle départementale et l'échelle locale. Pour comprendre les échelles et leur fonctionnement, imaginez que vous êtes un pilote dans un hélicoptère. Et votre hélicoptère monte, ou à l'inverse, descend. Imaginons que nous sommes dans notre hélicoptère et que nous décollons des clés sous bois. Lentement, nous montons dans le ciel. Ce qui va se dessiner sous nos pieds va être tout d'abord les clés sous bois. Plus nous monterons, plus les clés sous bois rétréciront sous nos yeux. Nous verrons progressivement se dessiner le département, les Yvelines, la région, l'Île-de-France, puis le pays, la France, enfin le continent et peut-être même le monde. Nous avons un hélicoptère exceptionnel. Nous sommes tellement haut que nous voyons le monde entier. Bien sûr, nous ne voyons plus les clés sous bois. Quand nous voyons le monde entier du haut de notre hélicoptère, cela signifie que nous sommes à l'échelle mondiale. Les clés sous bois sont alors minuscules. Cela signifie que l'échelle la plus petite, c'est l'échelle mondiale. Voici venu le temps de redescendre. Notre hélicoptère redescend lentement. Le monde, nous ne le voyons plus. Nous voyons par contre se dessiner le continent, nous sommes à l'échelle continentale, puis le pays, nous sommes à l'échelle nationale, enfin nous retrouvons notre région, l'Île-de-France, notre département, les Yvelines, et enfin nous atterrissons au Clay-sous-Bois. Et voilà, jeune pilote, tu as tout compris au jeu d'échelles.